nous avons eu le privilège et l'honneur d'avoir effectué une visite en compagnie, bien sûr, et avec l'assistance de l'administration territoriale. En réalité, partout où nous sommes passés, on s'est rendu compte qu'il y a effectivement des mutations profondes qui sont en train de s'opérer au niveau de cette vallée. De plus en plus, on parle de semences sélectionnées, de plus en plus, on parle d'élévation du niveau de mécanisation pour pouvoir faire une double culture. En réalité, nous sommes en train d'assister à de profondes mutations qui vont conduire à ce qu'on pourrait appeler une civilisation rizicole nouvelle. Nouvelle parce que fondée sur d'autres pratiques, fondée sur aussi une reconsidération de ce qu'on pourrait appeler le statut de l'État. Partout, les producteurs ont eu à dire qu'il y a une parcellisation des responsabilités et ils comptent assumer effectivement leur parcelle. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager, car l'État ne peut pas tout faire et ne doit pas tout faire. C'est en agrégeant effectivement la contribution de tous les acteurs qu'on arrivera à obtenir l'autosuffisance. Donc, si vous me demandez aujourd'hui est-ce qu'on va avoir l'autosuffisance ou pas, je vous dirai oui, on va avoir l'autosuffisance. Je le dis en tant qu'acteur majeur, représentant l'État, mais en réalité, puisque l'État ne produit pas, n'achète pas, ne vend pas, ne commercialise pas, il faut un engagement de tous les acteurs pour que nous puissions dire oui, on aura l'autosuffisance. Et ce qu'on a constaté ici, c'est que les acteurs ont exprimé à nouveau leur engagement pour l'autosuffisance. Donc on peut dire, sans risque de nous tromper, qu'avec la volonté de l'État, celle des différents acteurs, et avec la vision stratégique définie par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, vision qui consiste à dire qu'il faut transformer structurellement l'agriculture sénégalaise, et la transformation structurelle de l'agriculture sénégalaise passe par l'innovation technologique, mais aussi par l'élévation de notre niveau de mécanisation. Donc vraiment nous sommes en train de faire des pas de géant vers l'autosuffisance, et chacun a une partition à jouer, bon, y compris les journalistes. La pression aviaire, demain on va avoir une réunion avec l'ensemble des acteurs. Nous avons déjà réfléchi par rapport à cette question importante et on dira comment est-ce qu'on pourra prendre en charge cette problématique. Mais d'ores et déjà retenez qu'il faut certainement combiner une lutte terrestre et une lutte aérienne face effectivement à ce fléau pour pouvoir l'enrayer. Et on dira concrètement ce qu'on en pense.